Et au printemps, ils ont été aussi inventifs sur un autre thème. C'est celui, vous le voyez en haut, mettre les voiles. Et ils ont choisi, c'est quelque chose qu'on peut interpréter de plusieurs façons, mettre les voiles, bien évidemment. Et c'était voulu. Et nos jeunes de la Ramadan ont choisi cette matérialisation du thème mettre les voiles. Et ils nous expliqueront eux-mêmes ce qu'ils ont voulu y mettre. En fait, on est parti pendant les vacances pour faire une rencontre créative et on avait un thème, c'était mettre les voiles. Donc le premier après-midi, on s'est tous mis ensemble dans une salle et on a discuté, on a fait une liste de pour nous ce que ça représentait mettre les voiles. Donc on est parti sur le mot partir et on s'est dit que si on n'avait pas réfléchi, ben, on aurait fait une œuvre toute bête et on aurait fait vraiment un bateau pour mettre les voiles. Donc on s'est dit, les gens qui ne réfléchissent pas pour remettre les voiles, ça peut être directement un bateau, mais nous, on y a beaucoup réfléchi et on a voulu mettre en forme le mot partir. Et pour nous, partir, ça représentait en grande partie les migrants. En ce moment, c'est d'actualité et c'est un sujet qui touche, qui plus certaines personnes que d'autres. Donc, en haut de la sculpture, on a fait le camp des migrants, un endroit sombre où on voit au sol des chaînes et des grandes barrières fortes avec des barbelés et une très petite porte d'entrée vers, on va dire, les pays libres et les territoires plus libres et paisibles. Donc, les clous, ils sont en masse et ils sont rouillés pour montrer les migrants qui sont déshumanisés, qui n'ont pas de nom, que c'est qu'un chiffre quand on les entend à la radio. Tant de migrants sont décédés dans un naufrage de bateau. C'est vraiment qu'un chiffre, ils sont déshumanisés. Et on a pris les clous rouillés car ils sont mal nourris, ils vivent dans des conditions affreuses. Donc, ils sont en masse parce qu'il y en a beaucoup, mais la porte est très petite, donc ils ne vont pas tous pouvoir arriver dans les pays libres et paisibles. Donc on avait plutôt des couleurs noires et rouges sur le fond parce que ça nous évoquait la peur, les endroits où ils ne sont pas en sécurité. On a fait le sol vert et bleu parce que c'était, pour nous c'était des couleurs claires et qui représentaient la paix, la liberté. Et tout en bas de la sculpture, on a écrit « Les hommes naissent libres et égaux » avec trois petits points pour se poser la question « Mais les hommes naissent libres et égaux, en quoi on ne sait pas ?» Cette œuvre, elle a été faite effectivement dans le cadre des rencontres créatives, qui sont un moment qui est porté par la MDA, la Maison des Adolescents. Et on a été, pendant cette semaine qu'on a passé à Seine-les-Alpes, encadré par un artiste qui s'appelle Pierre Giordano et qui a aidé les jeunes à mettre en forme leurs idées sans jamais les influencer. Et je trouve que c'était important quand même de les citer. Merci encore pour cette présentation. Comme vous avez pu remarquer, tout est réfléchi sur cette œuvre. Quand elle est expliquée, c'est vraiment des choses assez touchantes. Merci encore. Ils ont vraiment bien participé et c'était un gros travail collectif. Tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Et voilà. Surtout.